Il est passé tout près du record du monde à Phelps, qui est à 4-3-84. Et cette saison, René, il a participé à 26 épreuves individuelles sur le circuit américain universitaire et a remporté 26 courses. Et là, on parle de 204 nages, 404 nages, 200 mètres brasse, 200 mètres papillon, comme Michael Phelps. Alors, c'est parti. 100 mètres dans chacun des styles, ça commence avec le papillon. Mais vous l'avez mentionné, hein, René, la pression, elle est énorme sur les épaules du Français. On est à un an jour pour jour des Jeux olympiques. Il domine hein, son sport, les épreuves, depuis déjà près de deux ans. Et les gens s'attendent à des résultats. Oui, j'aurais dû faire peut-être un peu plus tôt pour nos amis de la voie de division. Le couloir numéro 1, il est au haut de l'écran, le couloir numéro 8 au bas de l'écran. Donc, Marchand qui est un nageur qui excelle sur les quatre styles de nage. Je dirais, s'il y a une épreuve où il se distingue davantage par rapport à ses adversaires, c'est la brasse. Et donc, il tient le rythme record du monde. Marchand est au premier rang, François l'Américain deuxième, en troisième place, c'était le Japonais Seto. Cette saison, Marchand réussit 4.8 et Foster 4.4. Et ce sont vraiment les deux nageurs qui dominent le 400 mètres 4 nages. Ils se poussent au quotidien. Les deux s'en vont. Ils n'ont pas la même nationalité, mais les deux s'entraînent aux États-Unis. Alors, ils ont la chance de se revoir dans différentes compétitions au courant de l'année. Et là, on parle d'une domination de ces deux nageurs après 150 mètres. Mais ça va être, selon moi, René, hyper difficile pour Foster de maintenir le rythme à la brasse de Marchand. Marchand est un nageur. Il est d'ailleurs meilleur que Phelps. La grande différence entre Marchand et Phelps, bien sûr, Phelps est un nageur de papillon. Personne n'y arrive à la cheville. Peut-être le plus grand d'histoire. Et voilà. Et, mais Marchand a une brasse qui est la troisième épreuve du nage incomparable à aucun autre nageur. Et là, les voici les 100 mètres à la brasse. Foster est deuxième. Marchand qui est en bon contrôle. Foster également. Alors, bon, il le sait que la domination de Marchand et pas juste ça, par rapport aux autres nageurs, hein, c'est une domination complète. Et là, on voit que la marque mondiale, il est en avant. Je mettrais, par contre, ferme, c'était un peu meilleur que Marchand sur le style libre. Mais je crois que Marchand va vraiment distancer la ligne de la marque mondiale sur la deuxième longueur de la brasse. Observez à quel point ces deux nageurs sont talentueux. Marchand veut bien débuter ses championnats du monde. Et cette pleine longueur de priorité pour le record du monde. Et je crois qu'on va peut-être voir la dernière marque de Phelps descendre. Ah oui, je crois qu'il prend une excellente avance. Là, c'est plus d'une longueur de priorité pour Marchand au virage. On aura un record du monde. Oui. Absolument. Il a passé en 3-4-28. Il a seulement besoin de revenir sous la minute, donc 59.7, et c'est un nouveau record du monde. Et là, c'est ce qui est magnifique, c'est que Michael Phelps est dans la piscine. Il est présent. Et Bob Bowman également. Alors, c'est toute la grande famille de la natation qui se retrouve à Fukuoka avec une belle barre mondiale. 50 mètres à faire pour Marchand. Il est toujours bien dans le centre du record du monde. Et allez, on va peut-être voir même un 4-2-4-1. Et vous avez vu la longue glace au slow, il l'a fait exactement comme Michael Phelps le faisait. Allez! Il va terminer avec plus de 5 mètres, presque 10 mètres. Ça va être 4-2. Ça va être sous les 4-3, René. Alors, Marchand établit évidemment le record du monde en 4-2-50. Magnifique! Wow! Foster, l'Américain, deuxième. Seto, le Japonais, troisième. Mais quelle course de Marchand! Il a été en contrôle pour les deux premiers 100 mètres. Et là, il a perdu. Et c'est complètement incroyable. Et juste pour rajouter à ça, René, Michael Phelps, en 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin, avait les fameuses combines. Alors qu'aujourd'hui,
les nageurs nagent seulement avec le short. Michael Phelps n'avait pas la full combine lors du 400 non. mètres, mais il avait le pantalon qui était en polyuréthane, qui était pour ce qu'on dit plus rapide que la peau. Alors, que Marchand réussisse un temps 1.3 secondes plus rapide que ce que Phelps a fait au sommet de son art, la première journée des Jeux olympiques de Pékin, ça démontre à quel point Marchand est un grand nageur. Et j'ai adoré la façon dont le Français a nagé sa course. Il était en contrôle lors du premier et deuxième 100 mètres. Il n'a pas paniqué. Il a vraiment accéléré comme il a fait si bien sur le 100 mètres à la brasse. Et il est intouchable au style libre. Et c'est une longueur de priorité. Et c'est d'ailleurs tout ce que Marchand a déjà fait. C'est son premier record du monde en grand bassin. C'est la première fois que Marchand abaisse un record du monde en grand bassin.